Nous sommes devenus un peuple juste. Et nous ne combattrons plus Dieu. Plus jamais. Mon père était un grand roi. Pendant son règne, des milliers furent amenés à la connaissance du Seigneur. Et après avoir été converti au Seigneur, il envoya une proclamation dans tout le pays afin que la parole de Dieu ne rencontrât pas d'obstacle. Notre père désirait avoir un nom, afin qu'on pût nous distinguer de nos frères. Et nous ne fûmes plus appelés Lamanites, mais Anti-Néphi-Léi. Avant sa mort, mon père conféra le royaume à mon frère, et il lui donna le nom d'Anti-Néphi-Léi. Amon, qu'est-ce que c'est? Le roi est mort. Le vieux roi est mort. Et bientôt, nous détruirons leur nouveau roi. Ils nous ont trahis en se joignant aux Néphites qui ont volé ce pays à nos pères. Préparez-vous à la guerre! Ils ont l'intention de vous détruire. Ils ont excité tous ceux qui n'ont pas été convertis et qui n'ont pas pris sur eux le nom d'Anti-Néphi-Léi. Nous avons vu de près leurs préparatifs de guerre contre le peuple de Dieu. Il n'y a pas une seule âme parmi tout le peuple qui a été converti au Seigneur qui veut prendre les armes contre ses frères. Nous ne ferons pas de préparatifs de guerre. Mais comment allez-vous vous défendre? Je ne sais pas. Mais mon peuple ne fera pas la guerre. Je remercie mon Dieu, mon peuple bien-aimé, de ce que notre grand Dieu ait envoyé dans sa bonté ceux-ci, qui sont nos frères. Prêchez et nous convaincre des traditions de nos méchants pères. Et je remercie mon grand Dieu de ce qu'il nous a donné une part de son esprit pour adoucir notre cœur. Et aussi de ce qu'il nous a pardonné les nombreux péchés et meurtres que nous avons commis. Et a ôté la culpabilité de notre cœur par les mérites de son Fils. Puisque Dieu a ôté nos tâches et que nos épées sont devenues brillantes, alors désormais ne tachons plus nos épées du sang de nos frères. Car peut-être que si nous tachons de nouveau nos épées, elles ne pourront plus être lavées et rendues brillantes par le sang du Fils de notre grand Dieu. Si nos frères cherchent à nous détruire, voici, nous cacherons nos épées. Oui, et nous les enterrerons profondément dans la terre, afin qu'elles restent brillantes, en témoignage que nous ne les avons jamais utilisées. Et si nos frères nous détruisent, voici, nous irons à notre Dieu et serons sauvés. J'enterre mes armes de guerre en témoignage à Dieu et aussi aux hommes que je n'utiliserai plus jamais d'armes pour l'effusion du sang de l'homme. Je fais alliance avec Dieu que plutôt que de verser le sang de mes frères, je donnerai ma propre vie.
plutôt que d'ôter à un frère. Je lui donnerai. Je fais alliance de ne plus jamais verser le sang d'un homme. Plutôt que de passer mes jours dans l'indolence, je travaillerai de mes mains. Notre peuple souffrira jusqu'à la mort, plutôt que de commettre le péché. Nous enterrons nos armes de guerre pour la paix. Le temps est venu de faire périr le roi et d'en mettre un autre à sa place. Aujourd'hui, nous détruirons le peuple d'Anti Nephi Lee! Ouais! Qu'est-ce que tu fais ? Bats-toi ! Lève-toi et bats-toi ! S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'avons-nous fait ? Je fais alliance avec Dieu de ne plus verser le sang d'un autre homme. Plus jamais, je ne lèverai une arme contre mes frères. Je fais aussi alliance avec Dieu de ne pas verser le sang des autres. Comme nous avons lieu de nous réjouir.
Nos frères, les Lamanites, étaient dans les ténèbres. Oui, dans l'abîme le plus sombre. Et combien d'entre eux sont amenés à contempler la lumière merveilleuse de Dieu? Des milliers d'entre eux se réjouissent et ont été amenés dans la bergerie de Dieu. Le champ était mûr. Et vous êtes bénis, car vous avez lancé la faucille et vous avez moissonné de toutes vos forces. Oui, vous avez travaillé tout le jour. Et voyez le nombre de vos gerbes. Amon, je crains que ta joie ne t'entraîne à te vanter. Je ne me vante pas de ma force. Je sais que je ne suis rien. Mais je me vanterai de mon Dieu. Car avec sa force, je peux tout faire. Combien de milliers de nos frères n'a-t-il pas délié des souffrances de l'enfer? Et ils sont amenés à chanter l'amour rédempteur. Et cela à cause du pouvoir de sa parole. Qui est en nous? N'avons-nous donc pas tout lieu de nous réjouir? Glorifions-nous dans le Seigneur, car notre joie est pleine. Qui peut trop se glorifier dans le Seigneur? Hein? Oui, qui peut en dire trop sur sa grande puissance et sur sa miséricorde et sur sa longanimité? Quel est l'homme naturel qui connaît ces choses-là? Je vous le dis, il n'y en a aucun qui connaît ces choses-là, si ce n'est le pénitent. Oui, à celui qui se repent et fait preuve de foi, et produit de bonnes œuvres, et prie continuellement, sans cesse. À celui-là, il est donné de connaître les mystères de Dieu. Lorsque notre cœur était déprimé et que nous étions sur le point de faire demi-tour, voici, le Seigneur nous a consolés et a dit « Allez parmi vos frères, les Lamanites, et supportez avec patience vos afflictions, et je vous donnerai du succès. » Nous pouvons étendre nos regards et voir les fruits de nos travaux. Ils ont préféré sacrifier leur vie plutôt que d'ôter la vie à leur ennemi. Et ils ont enterré leurs armes de guerre profondément dans la terre à cause de leur amour pour leurs frères. Aucun homme n'a eu autant lieu de se réjouir que nous depuis le commencement du monde. Oui, et je suis transporté de joie au point de me vanter de mon Dieu. Or, si c'est là se vanter, alors je me vanterai. Béni est le nom de mon Dieu. Et je rendrai grâce à mon Dieu à jamais. Amen. 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 Quelqu'un refuse de prendre les armes, il sera tué. Je suis ému de compassion. Nous devons mettre fin à cette œuvre de destruction parmi ceux que nous aimons. Rassemblons le peuple du Seigneur et descendons au pays de Zarahemla auprès de nos frères les Néphites et fuyons hors des mains de nos ennemis afin de ne pas être détruits. Les Néphites nous détruiront à cause des nombreux meurtres et des nombreux péchés que nous avons commis contre eux. Je vais consulter le Seigneur. Et s'il nous dit de descendre vers nos frères, irez-vous? Si le Seigneur nous dit « Allez », nous descendrons vers nos frères, et nous serons leurs esclaves jusqu'à ce que nous ayons réparé pour eux les nombreux meurtres et les nombreux péchés que nous avons commis contre eux.
Il est contre la loi de nos frères qui a été établie par mon père qu'il y ait des esclaves parmi eux. Descendons et confions-nous à la miséricorde de nos frères. Consulte le Seigneur. Et s'il nous dit « Allez », nous irons. Sinon, nous périrons dans le pays. Seigneur, quelle est ta volonté pour ce peuple? Fais sortir ce peuple de ce pays, afin qu'il ne périsse pas. Car Satan a une grande emprise sur le cœur des Amalékites, qui excite les Lamanites à la colère contre leurs frères pour qu'ils les tuent. Sors de ce pays, et béni est ce peuple dans cette génération, car je le préserverai. Arrêtez! C'est ici, nous sommes arrivés! Restez ici jusqu'à ce que nous revenions. Et nous mettrons à l'épreuve leur cœur pour savoir s'ils veulent que vous entriez dans leur pays. Je n'en suis pas sûr. C'est Alma! Non! Mes frères! Alma! Est-ce vraiment vous? Quel plaisir de te revoir! Oh, oh mère! Tu es radieux! Cela fait 14 ans. Tu as l'air plus âgé. Alma, nous avons beaucoup à te dire. De nombreux Lamanites sont devenus disciples de Jésus-Christ. Je suis si content de te revoir. Venez, mes frères, venez. Nous avons tant à dire. Oui. Oui. Proclamation pour connaître la voix du peuple concernant l'admission de leurs frères. Toujours aucun signe de leur part. Antinéphilei ! C'est Antinéphilei et son frère ? Oui, Lamoni. Antinéphilei! Voici Alma, le prophète. Le peuple a accepté. Il vous cédera le pays de Gershon, près de la mer à l'est. Il vous le donne en héritage. Ce n'est pas tout.
Il placera ses armées entre le pays de Gershon et celui de Néphi, afin de tous vous protéger. Ils étaient parmi le peuple de Néphi, et également comptaient parmi le peuple qui était de l'Église de Dieu. Et ils se distinguaient aussi par leur zèle envers Dieu, et aussi envers les hommes, car ils étaient parfaitement honnêtes et droits en tout. Et ils furent fermes dans la foi du Christ, jusqu'à la fin.